Bienvenue dans le club, le talk show positif. Salut Alex. Salut Jeff. Alors Alex, en trois mots, c'est quoi le concept de l'émission ? Alors le club, c'est le talk show positif. Le concept, c'est un fauteuil, un décor et chaque semaine, un nouvel invité, plus ou moins connu, que l'on va découvrir ou redécouvrir ensemble. Alors premier challenge, premier invité de cette émission, on a choisi un sportif, il est international de rugby à 15, il joue à Montpellier, il est co-capitaine mais il est aussi chef d'entreprise. Donc il a beaucoup de choses à nous raconter et des choses positives. Je veux parler de Kélian Galetier. Kélian, si tu veux nous rejoindre sur le studio, salut, gars. Bienvenue, on se bienvenue. Check pas. Voilà Kélian, installe-toi dans le fauteuil. Alors il est comment ce fauteuil ? Bien assis ? Magnifique. Confortable, bien il y a intérêt, c'est le concept de l'émission. Ah bah il faut qu'il soit pas bien installé dedans, ce sera compliqué. Merci Kélian d'avoir accepté notre invitation. Ben, merci à vous. Alors, comme je vous ai dit, en plus, en arrivant, la première émission, première invitée, quel honneur. Exactement, c'est un plaisir, c'est un honneur. En plus, on a beaucoup de choses à voir avec toi, positives. On va, en fait, écouler un petit peu ton parcours d'homme, voilà, du sud de la France à Montpellier, dans le cadre du sport, dans le cadre du boulot. En fait, ce qu'on va commencer par faire, c'est faire notre minute Wiki Club. En fait, c'est tout la simplement. Description. La description. C'est la description. Et on est allé voir sur Wikipédia et voilà ce qui se dit sur Wikipédia. Hein. Kélian Galetier, né le 18 mars 1992 à Montpellier. Jusque-là, ça va. Ils sont forts quand même. Ah, ils sont pas mal. Ils ont des infos. Est un joueur de rugby à 15 international français évoluant. Tu es d'accord, au poste de 3e ligne centre et 3e ouais. ligne L. Ouais, j'ai la polyvalence, je peux faire les deux. T'as pas décidé de passer à l'arrière ? Non. non, on s'ennuie trop derrière. Devant, c'est le meilleur job. Alors d'ailleurs, tu es pas le seul parce qu'il rajoute fils de Jean-Paul Galetier, ouais. Ancien joueur lui aussi du Montpellier rugby de 86 à 93 et cousin du rugbyman aussi, Guillaume Galetier. Ouais. Ben, on a tous joué à Montpellier avec mon cousin, il y a même mon oncle, le père de Guillaume. Mon père était capitaine, Alors, je ne l'ai pas rattrapé au nombre de matchs encore, je crois que je suis à un match de lui, un ou deux. Mais ouais, c'est une histoire de famille dans le club, ouais, ça c'est vrai. D'accord, donc c'est vraiment le rugby dans la famille, vous êtes tous rugbyman, c'est soit un héritage, soit un fardeau, enfin, comment tu le vois en fait ? Ouais, la génération de mon père, là, entre son frère et lui, ils ont lancé la lignée, on y est encore dedans avec mon cousin, ouais. Mon frère y a joué, enfin c'est vrai que ouais. On a donné pour le rugby, ouais. Il nous a beaucoup donné, mais on a donné aussi. Et la place des femmes dans la famille, dans cette histoire de rugbyman et d'homme ? Sont-ils, les femmes tac. Elles ont. Ma mère, c'est drôle parce que ma mère, donc ça va faire 35 ans maintenant qu'elle suit le rugby. Alors, contraint forcé, c'est un peu dur, mais c'est un peu vrai. Et elle connaît pas toutes les règles encore, donc. Mais c'est un sport compliqué à suivre. Oui. Et puis les règles évoluent tous les ans aussi, on va pas le cacher, donc il faut pouvoir suivre. Oui. Mais bon. Voilà, mais oui, donc elle suit évidemment. Alors justement, on va parler des débuts, Alex, de Kélian. On va commencer par se poser la question sur la formation. Donc tu es issu du Pic Saint-Loup. Oui. On sait que dans les alentours de Montpellier, il y a pas mal de grands noms qui proviennent du Pic Saint-Loup. Alors, j'en profite, parce que Louis Picamol, du coup, à chaque fois. Il est toujours cité. Il n'est pas du Pic Saint-Loup, il est de Montpellier, il tient à le dire à chaque fois, nous sommes quatre. C'est François Tranduc, Fulgence, Fedrogo, Geoffrey Doumerou et moi-même, le dernier. Ouais, donc on avait l'information voilà. pour Louis Picamol. Oui, parce qu'il y a eu deux histoires en fait, hein. Il y a eu l'histoire du Pic Saint-Loup et les quatre fantastiques à un moment donné. Exactement, ça a été un peu assimilé, et donc c'est pas, voilà. Parce que Julien Thomas aussi de Vandargue là-bas. Alors ce qui nous intéresse, c'est de comprendre, Kélian, comment tout petit, voilà, tu te lances dans l'école de rugby, mais à un moment donné, tu te dis, ben, y a un niveau qui est là, y a une décision d'aller plus loin dans l'échelle de ce sport-là, et puis quelque part de devenir un professionnel de ce sport. Quoi. Alors, ben, y a plusieurs étapes, mais déjà, moi, je suis issu de mon père à jouer, ma mère était prof de PS et agrégée, donc j'ai toujours baigné dans ce milieu de sportif, ouais. et j'ai fait beaucoup de sport jeune. Natation, du judo, du foot. Et je suis arrivé un peu après l'âge de 10 ans au rugby. Mais très rapidement, j'avais cet objectif de devenir professionnel. Mais dès que j'y suis arrivé dedans. D'accord, c'est un déclic que tu as eu. Ouais, j'ai toujours eu en moi. Ça s'explique pas, je sais pas, c'était inné. Mais j'étais focalisé là-dessus. Et évidemment, tout au long de ma jeunesse, je me suis essayé de me préparer pour y arriver. D'accord.
Après, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Oui, et d'ailleurs, à quel âge ça commence à plus être marrant, quoi ? C'est-à-dire que vraiment, ça rentre dans un mode où tu deviens pro dans ta façon de vivre, de t'alimenter. Enfin, cette bascule-là, alors moi, je l'ai connue quand même malgré tout. Je suis arrivé à Montpellier à 15 ans. J'étais recruté à 15 ans au centre de formation. Et dans cette année-là, on avait une belle génération. On a vécu, on a gagné des titres de champion de France, 4. On a vraiment une bande d'amis qu'on est toujours, les meilleurs amis. Et on n'avait pas ce ressenti du professionnalisme quand même. Ça vient vraiment quand on le devient, quand on bascule avec l'équipe première. Avec l'équipe première. Mais je pense que ça va tendre de plus en plus tôt quand même. Ça existe dans le foot, mais ça concerne dans le rugby. Il y a une obligation d'être... de se focaliser, de se préparer au professionnalisme parce que ça demande des, enfin, ça a des prérogatives très très importantes et ça demande beaucoup d'énergie. Ouais. Et dans ce groupe d'amis là dont tu parlais, est-ce que tu as une histoire, un souvenir fort de ces premières années rugby, de ces années, on parle souvent des années cadets où on vit pas mal de choses. Est-ce que toi, tu as quelque chose qui te vient directement en tête rapport à ça ? C'est notre épopée de champion de France. Le premier titre qu'on a gagné, la génération 92 dont je suis, on a été champion de France, on a vécu une année incroyable où on n'avait pas perdu de match. Ah oui, Et on sentait entre nous qu'on allait le faire. Quoi. Rien ne pouvait nous arriver. Là, c'était, voilà, c'était on avait des matchs compliqués à la fin, évidemment. Mais on a réussi ça et ça a été une formidable épopée. Et ouais, on l'a tous encore en tête. Ouais, souvenirs sont gravés encore en 2021. Ben, comme je dis, on est peut-être pas tous, mais une petite dizaine là, à être soudés comme jamais encore. Mmh. Et ça, c'est marquant. Ouais. Oui, c'est des amitiés qui vont se prolonger après la carrière, toute la vie. Alors, en parlant d'amitié, il y a aussi une solidarité qui est forte au plus haut niveau. Tu as gravi les échelons, tu es passé dans le groupe pro. Donc, on parlera tout à l'heure de l'actualité rugby. Mais tu as quand même atteint le nirvana du rugby, c'est-à-dire d'être international et d'être sélectionné. Donc, pour la première fois par Guy Noves, ouais. C'est 2016. 2016, ouais, voilà. En Argentine. En Argentine, donc ça veut dire premier appel, première convocation. Est-ce que tu peux nous dire un peu ton ressenti, le premier hymne, ne serait-ce que ça, la première Marseillaise, ça doit... Ouais, c'est fort en émotion. On dit qu'on pleure souvent à la première Marseillaise. Ça dépend des gens, ça, moi, c'est pas le cas, mais on pense à beaucoup de choses, c'est moi, sûr que... Toi, tu dis qu'il a pleuré. Ça, c'est en Argentine, c'était mal filmé. Ouais, voilà, c'est ça. Non, c'est évident, mais... Alors, ce qui est... Bon, pas terrible, mais... Quand on est dedans, presque, on est tellement concentré sur notre match, sur que on oublie peut-être ce côté, cet aspect quand même incroyable. Quand on est dedans, ça, c'est vrai que ça rajoute, mais je l'ai reconnu après. J'ai été rappelé par Jacques Brunel et j'ai pu jouer les Blacks. Ouais. J'ai fait le tournoi des Six Nations. Donc là, c'est tournoi des Six Nations au Stade de France avec le public. Victoire contre les Anglais. Victoire contre les Anglais. Ça, c'est de Laurent Barre. Ouais, c'est une ambiance incroyable. Et c'est marquant. Et après, bon, même avec le club, j'ai eu des souvenirs. On vit pour ça. Quand on est jeune, on rêve de ça. Et quand on y arrive, ça reste quand même incroyable. Même si le professionnalisme fait que des fois, on est un peu trop focus, on l'oublie. Mais c'est quand même des rêves qu'on vit. Et c'est assez bateau de dire ça, mais c'est une réalité. Alors, sachant que ce que tu as vécu en jeune, en gagnant pendant toute une année, après, tu te rends compte au fil de la carrière que les moments où tu es au top, et en haut de la hiérarchie, finalement, sportive, c'est des moments où il faut en profiter. Parce que c'est dur, ouais. C'est vrai qu'étant jeune, j'ai connu peu de défaites, entre guillemets, dans les championnats. Et maintenant, ça va faire 10 ans que je suis professionnel. Et j'ai perdu une finale qui a fait très mal et on a gagné un titre de champion d'Europe, la deuxième coupe. Et voilà, 10 ans sont passés, quoi. Ça va vite et c'est pas faux, quoi. Les anciens disent profite des moments, essaie de prendre tout ce qu'il y a à prendre et l'importance d'essayer de réussir à se qualifier dans notre sport, de jouer des phases finales, on les compte sur les doigts d'une main pour beaucoup. Donc c'est pas évident, c'est un très long parcours. Ouais. On s'en rend plus compte, des fois on en est un peu déconnecté, mais quand on fait un bilan dessus... Alors aujourd'hui, t'es en pause, d'ailleurs, Alex, on voulait lui demander, donc à Kélian, comment ça va, déjà au niveau de la santé, et puis là, cette année, comment tu la vis, il y a eu des meilleures années, on va dire. Ouais, alors ça, déjà, au niveau du club, c'est sûr qu'on vit une année difficile, on se bat pour le maintien, et puis on n'est pas sorti d'affaire, il nous reste 7 matchs. Et des matchs difficiles, donc ça c'est une année pénible.
avec un changement d'entraîneur. Enfin, il n'y a pas grand-chose qui nous sourit. C'est souvent comme ça, des cercles vicieux, des dynamiques un peu négatives. Et rajouter à ça, oui, moi, à titre individuel, c'est un peu difficile. C'est très dur parce que j'ai une commotion dont j'ai du mal à me débarrasser. Enfin, débarrasser du moins, à me soigner. Après, ça fait partie des aléas du rugbyman. Il faut faire attention avec ça parce que ça peut avoir des conséquences pour plus tard. Donc, c'est pour ça qu'on avance pas à pas. Pas à pas, petit à petit. Faire attention au fur et à mesure. Moi, par rapport à ça, j'avais une question. Bah, c'est vrai que du coup, il y a cette prise de recul un peu forcée par rapport au rugby. On connaît l'exigence, ou en tout cas, on se projette sur l'exigence que peut être un sportif de haut niveau, rugbyman professionnel. Ça a une place très importante dans ton quotidien. Mais par rapport donc, à cette 3 mois de prise de recul, aujourd'hui, tu penses à quoi? Est-ce que tu as d'autres passions? Est-ce que tu as d'autres hobbies? Est-ce que tu fais quoi? Alors ça, oui. Alors déjà, moi, j'y suis toujours attaché à essayer d'avoir autre chose à côté. Okay. Ça m'a toujours sorti la tête du rugby, ça aère l'esprit. Moi, je dis souvent, parce que j'ai fait mon master de commerce à Subdeco, ici à Montpellier, moi, je disais souvent, ça me fait plaisir de sortir des 40 mecs et de passer à notre univers. Quoi. Voilà, ça me faisait plaisir. Et j'ai toujours regardé ça, voilà, j'ai eu plein de petites passions ou activités à côté, on pourra évoquer, mais pour revenir voilà sur la réflexion de ces 3 mois, alors déjà la blessure fait partie de notre job, ça nous arrive, ça arrive à tout le monde, quoi qu'il arrive, et oui, moi la question se pose, hein, j'ai vais avoir 29 ans, donc c'est commotion, je compte pas arrêter, ça c'est sûr, mais on se pose des questions sur la reconversion, ça c'est sûr. Une période comme ça nous y pousse. Est-ce que dans ton contrat de sportif, tu as le droit de pratiquer d'autres sports? Est-ce que tu peux avoir des activités? Ah, il faut pas le dire. Non, je rigole. Oui, ski, alors, non. Non, voilà. Dans le contrat, officiellement, non, mais on a une convention de rugby qui est signée, qui nous lie tous les clubs, une convention collective. Je ne suis pas allé à la lire, et je reconnais que je pense que je dois enfreindre de temps en temps un peu le règlement sur. Je suis assez amateur dans le mais voilà, je suis un motard, j'aime bien les sports d'hiver. Mais... D'accord, ok. Mais le plus de la important, luge, c'est ça, la luge, c'est la ça, luge. Le ski dans le dos, mais en redescendant avec des skis sur le dos. Néanmoins, non, tu t'intéresses à d'autres sports que le tien, et oui. D'ailleurs, on a entendu que tu avais quand même une passion et une bonne connaissance sur le deux roues, sur le cyclisme. Exactement, mais j'y viendrai avec mon objet. Tu y viendras avec ton objet. Oui, mon objet, c'est, on y viendra, mais effectivement, vous avez des passions. Donc on avait bien, c'est confirmé, tu t'y connais en cyclisme. Le vélo, il s'y connaît. Passionné de vélo. On peut dire que tu es une encyclopédie. Ouais, je suis pas mal, ouais. Beaucoup. Ouais, t'es vraiment bon. Ouais, j'aime bien. Donc on peut faire un challenge sur le vélo. Oui, on y arrivera. On y arrivera. Ah, oui, ok. Oui. Bon, alors on va pouvoir passer au challenge vélo. Exactement. Donc on a préparé à Kélian un petit quiz. C'est le quiz Petite Reine. Oui. Voilà, quelques questions. Mais on y met un challenge dessus. Hein, bah, on y met un challenge parce que, parce que voilà, apparemment, tu viens nous confirmer que. Ah oui, mais j'assume. Et donc, bah, on s'était dit qu'on va pouvoir te poser quelques questions et que pour chaque mauvaise réponse, on pourrait ajouter 10 km sur un petit challenge. C'est un petit challenge à nous faire. Non. Donc sur une 10 km sur ta prochaine sortie en vélo. Une mauvaise réponse, 10 km pour ta prochaine sortie vélo. Alors il faudra, je le filmerai. J'ai mon et tu nous filmeras, tu nous enverras. Ouais. Peut-être qu'il y aura zéro. Ça sera à suivre sur le compte Instagram du club que j'invite à suivre. Déjà que je fais 200 bornes à chaque sortie. C'est ça, voilà, on part sur une base de 100 km, c'est ça. Alors si c'est 200 bornes à chaque sortie. Les connaisseurs cyclistes savent que je rigole. On va passer à 25 km par vélo. Visiblement. Ok, bah Alex, première question donc du quiz. La petite reine. Attention, ouais. c'est du costaud quand même. Est-ce que t'es prêt? Donc première question. En quelle année s'est déroulé le premier Tour de France? Ouais, ça. Mais... Alors on te fait les propositions. Tu vas avoir les propositions. Tu vas avoir à chaque fois 4 propositions. Donc on a 1883, 1893, 1903 ou 1913. Moi je dirais de toute façon là ça doit être pas loin du 110e. Ça doit être 1903. Bonne réponse. Première bonne réponse pour Kylian, bravo, c'était 1903. Bien joué. Alors, deuxième question, moi je la trouve dure celle-là. Combien de Français ont porté le maillot jaune une fois hein? Attention. Ah, vous êtes dur. Ah bah, il faut bien que tu. Alors, il y en a beaucoup. Il y a 4 propositions. Donc, on a 73, 83, 95 ou 103 Français qui ont porté le maillot jaune au moins une fois dans leur carrière. Bah, il y en a eu beaucoup, hein, entre les Louison Bobet et Bernard Hinault. Alors, sachant que alors, c'est, tu n'as pas droit au 50-50 ni à l'appel d'un ami. Oui, hein, je me débrouille.
Tu vas me redonner des propositions quand même. Il y a eu des Cédric Vasseur, il y en a eu beaucoup. Hein. Il y a eu, 73, 83, 95 ou 103. Bon, ben là, en général, c'est pas les deux extrêmes, 95 ou combien? Ou 83 au milieu. Allez, 95. Bonne réponse. Ah, t'as de la chance. Ça, c'est de la chance. Il a bien déduit. Question 3, Alex. Celle-ci est un peu plus facile. On va voir. Combien d'étapes a gagné Julien Alaphilippe en 2019 sur le Tour? 2019, ah, c'était pas cette année. Donc, il en a gagné. Il a fait le contre-la-montre. Je dirais 3. Moi, sur ma fiche, j'ai la réponse numéro 2. C'est deux réponses. Il a gagné deux étapes. C'est 3. Donc ça fait 10 km. Bon. Il reste encore des questions. Bon, celle-là, je crois que si tu ne réponds pas juste... C'est 50 km de plus. C'est ta réputation de connaisseur en cyclisme. Combien de tours Bernard Hinault a-t-il remporté? Eh bien, il en a remporté 5. Ben voilà, on n'a même pas besoin de te faire des propositions. Le problème, c'est 85, 78... il en est enchaîné 80, 81, 82, un truc comme ça. Il y a dû en avoir une un peu plus tard, 84 ou 85 à vérifier. Oui, 85, ouais. Bref. Ouais. C'est sûr. Question 5. Pour le 5. En 2020, quel coureur a remporté le plus de victoires? C'est Pogacar. Sur l'ensemble du circuit professionnel. Sur l'ensemble, c'est pas pareil. Le plus de victoires sur l'ensemble. Alors, t'as 4 propositions. Les promotions, c'est Roglic, Demar, Alaphilippe ou Sam Bennett. Alors, c'est victoire d'étape. Hein. Qui a gagné remporté le plus de victoires? De victoires. Ouais, donc c'est plutôt, ça va être soit Sam Bennett, soit Arnaud Demar. Je dirais Sam Bennett. Et c'est une mauvaise réponse. C'était Arnaud Demar. Ah. Ok, bon, ça fait 20 km, ça commence à être pas mal. Oui, il a gagné 4 ou 5 sur le Giro des Lombards. Bon, bref, ouais. Et dernière question, est-ce que tu peux nous citer le podium du Tour de France 2020? Eh bien, Pogacar, Roglic et Richie Porte pour la première fois. Bravo. Bravo, Kélian. Sa réputation est bonne. Donc, on avait dit 20 km, on n'avait pas parlé du dénivelé. Ah, oui. Donc, en 20 bornes, ça peut faire un dénivelé. Bah, tu vas aller vers le Pic Saint-Loup, je pense que ça peut être sympa. Bien sûr, mais le col du Pic, il fait que 4 km. Donc, tu vas le faire plusieurs fois. On revient Alex donc sur ton parcours. Je vous avais pas dit, je fais que 10 km de sortie en ce moment. Du coup, ça fera 30. On s'en va là-dessus. Donc on revient sur ton parcours et nous ce qui nous intéresse c'est ton double projet en fait, ce qu'on appelle ta double vie. Donc tu as effectivement rappelé tout à l'heure qu'en 2015 tu as eu ton master 2 de commerce à Montpellier Business School et tu en as profité pour avoir plusieurs aventures entrepreneuriales. Donc tu as commencé par quoi? Comme j'expliquais, donc dans ma conception j'ai toujours voulu avoir un diplôme, même lorsque j'ai commencé en équipe première à 19 ans. M'a poussé là-dedans. J'ai réussi mon diplôme 2015, mais c'était très dur de faire les deux en même temps. Ça demandait beaucoup d'énergie. J'ai conservé beaucoup d'amis d'ailleurs à Subdeco grâce à ça, parce que je me suis créé des amitiés. Et quand j'ai fini ça, j'ai eu besoin d'arrêter, vraiment. J'étais usé, enfin c'était compliqué. Et c'est à ce moment-là, en plus, j'ai commencé à l'équipe de France. Hein, donc voilà. Mais au bout de 2 ans, j'ai commencé à avoir ce manque des à côté. Et donc je suis revenu avec des activités, j'ai essayé de passer un CAP de mécanique, j'ai fait des choses comme ça, des petites formations. Et deux opportunités sont venues à moi à peu près en même temps, hein, c'était en 2019. Deux de mes amis déjà, mes meilleurs amis avec qui ben, justement on a connu l'épopée. Dans l'immobilier, ça? Voilà, les deux travaillaient à titre individuel dans l'immobilier. On a décidé de s'associer. Moi, essayant d'apporter un peu le réseau et la capacité financière pour lancer la boîte. Et eux travaillent à temps plein dedans. Et avec cette idée d'être très proche, d'être une entité totalement... j'ai perdu le mot, mais on est indépendant, totalement indépendant. On n'est pas issu d'un réseau et essayer de se construire, à notre petite échelle, mais essayer de rendre le plus de services, puisque c'est le cœur de notre métier quand même. Et voilà, maintenant ça fait 2 ans, bientôt 2 ans et demi que ça dure, et malgré les temps difficiles, on continue notre bout de chemin. Donc ça, déjà, c'est le projet Immovalley. Immovalley, Voilà, avec lequel
tu t'es plongé dans le secteur de l'immobilier. Et puis, il y en a un autre, ça n'a rien à voir, hein. C'est dans la restauration. Et là, la restauration, ben, c'est venu un peu au même moment. Mais là, encore une fois, la restauration est un milieu difficile, complexe, surtout quand, dans ma position, on n'est pas présent tout le temps. Mais c'est Gilles Belzon, ancien joueur de Narbonne, qui a monté un concept, alors que les gens peut-être connaissent, s'appelle Chez Bébel, où c'est une boucherie, on lance la viande au restaurant en face qui l'a fait cuire pour les clients. Dans des halles, hein, c'est souvent dans des halles. Souvent dans des halles, puisque Narbonne, il l'a fait dans les halles, et nous, c'est au marché du Lez, ici, à Montpellier. Et en fait, ce concept un peu folklorique est très sympathique, on est dans un esprit convivial. Et Gilles est venu me voir lors de la création du marché des halles du Lez, en disant, voilà, on voudrait se monter ce concept à Montpellier, mais j'ai besoin d'associés sur Montpellier. Donc on s'est rencontré par l'intermédiaire de Michel Brunet, un ancien joueur de Montpellier et de Narbonne, et qui a joué avec mon père et qui a joué avec Gilles. Il y a beaucoup de rugby dans tout ça. Il y a beaucoup de rugby, non mais c'est important parce que ça explique cette convivialité aussi. Et moi de mon côté, le père de mon associé à Imovali est un ancien cafetier, barman. Et j'ai dit, voilà, je veux que tu t'associes avec nous parce que je ferai ce projet que si tu es là, j'ai 100% confiance en toi. Et il a accepté. Et mon cousin a rejoint la boucle pour englober tout l'aspect familial. Familial, tribu finalement, c'est comme un clan. Exactement. En fait, et il y a la convivialité au milieu. Et ça a marché grâce à ça, en fait. Grâce à cette cohésion, on se marre. Franchement, on se marre. Parce que c'est pas facile, en plus, surtout aujourd'hui. On bosse pas et ça nous manque. Et voilà, on avait réussi à créer ça et on espère très vite le refaire là. C'est dans un lieu très sympa, le marché du Lez, que les Montpelliérains connaissent bien parce que c'est assez innovant, il se passe beaucoup de choses dedans, c'est un lieu plein de vie, bouillonnant en fait. Et... C'est un bel endroit qui nous manque et on espère y revenir très vite. Et du coup, moi, par rapport donc, à cette aventure entrepreneuriale, ce que je voulais te poser comme question, c'est... C'est toi, donc tu nous expliquais que sur le premier projet, il y avait besoin d'un apport financier, il y avait besoin d'une notoriété, et donc ça, c'était ton rôle. Est-ce que sur le premier ou sur le deuxième projet, est-ce que toi, tu as aussi quelque chose un peu opérationnel? Tu as des missions aussi, ou pour le moment, tu es en retrait? Comment tu te positionnes? Je me suis positionné, je suis toujours forcément un peu en retrait de par mon métier qui est le rugby, parce que j'ai à 100%, 120% même dedans. Ouais. Mais oui, j'essaie toujours d'avoir une petite partie prenante. Notamment, Imovali, il a fallu créer la société. Rien que ça, ce process-là, déjà, c'est quelque chose de complexe. Une première, en plus, du coup. Ouais, c'était une première, à tous les trois, même, puisqu'on est du même âge. Donc, se lancer comme ça, c'est pas facile. Et c'est même tous les jours difficile, mais déjà, rien que ça. Donc, on a fait nos rendez-vous avec les avocats, avec les comptables. Donc, je participe toujours à ça. Et sur Chez Bébel, c'est quand même Michel Brunet qui est plus chargé de ça au quotidien. Mais nous, on s'est délégué avec mon cousin toute la partie communication, avec le travail avec l'agence de com qu'on a. Et parce que c'était aussi notre rôle à apporter dans Chez Bébel. Avec ce côté-là. Et voilà, donc on a cet aspect-là, tout ce qui est même presque merchandising, enfin tout ce côté-là. Et tout le côté autour de l'image, comment on peut... Réfléchir à tout le développement, réfléchir à des idées. Là, il a fallu, c'est pas facile, mais... Réfléchir à des concepts, à de la communication, donc ça, voilà, on est chargé, je suis chargé de ça. Et toi, par rapport à ça, du coup, sur ton quotidien, le rugby, donc 120%, c'est plutôt une force pour toi parce que c'est un socle et ça permet de souffler dans la voile de tes projets, ou c'est beaucoup d'organisation, comment tu le vis au quotidien? C'est de l'organisation, ça c'est sûr. Maintenant, on a du temps libre aussi, mais c'est souvent des demi-journées. Alors, les bases sont basées pour la récupération quand même, mais j'arrive à m'organiser pour participer. Mais comme je disais tout à l'heure, ça me sort aussi. C'est bien de penser à autre chose. Ouais. Moi, ça m'aide à la performance, c'est clair et net. D'ailleurs, tu participes parfois à des actions qui sont plus caritatives. Je pense par exemple au 24 heures Saint-Pierre, pour lequel tu as participé au défi sportif. Alors, ça a été annulé, malheureusement. Ça a été annulé cette année. Mais il y a plein de... Ça aussi, c'est un aspect à côté que pas mal de sportifs, en général, essaient de faire. Mais, de partager l'image, finalement. Ouais, de parrainer. C'est vrai que moi, j'ai quelques associations. Donc, 24 heures Saint-Pierre, j'avais été sollicité, j'avais répondu favorablement. Il y a aussi l'équipe Ipescalune qui est, où ils font un calendrier tous les deux ans avec les miss et les sportifs de la région pour la recherche pour les enfants. Et moi, je suis aussi parrain d'une autre association, notamment La Clé, que j'ai une histoire personnelle avec parce qu'ils soignent, ils aident les enfants malades atteints de leucémie.
Ils construisent une maison, ils ont une maison d'accueil pour les parents un peu éloignés. Moi, j'ai perdu mon meilleur ami à 15 ans de ça. Donc, j'ai voulu voilà, essayer de me retourner vers eux. Et pour dire aussi, aujourd'hui, avec ce Covid-là, c'est un peu compliqué pour eux. C'est même compliqué pour nous d'essayer de créer des événements, de participer. Donc, ça manque aussi. C'est top, voilà. En tout cas. Et ça amène du positif dans la vie des gens, dans la vie des associations. C'est ça super, les soutient. Faut le dire aussi, j'en profite. Il y a les Restos du Cœur avec Montpellier, nous, qui sont là. Il y a d'autres associations, je ne les cite pas toutes, mais il y en a beaucoup. Le Fonds de Notation Montpellier travaille beaucoup avec. Il y a quand même, voilà, il y a des possibilités d'aller donner des repas. Il y a toujours des choses à faire. Oui, le club est quand même très présent dans le tissu associatif. Comme je dis, le Fonds de Notation, ils ont une équipe là, qui est menée par Célia Ferraud, notamment. Et ils font un super travail. Kelly, on apprend à te connaître de plus en plus là, pendant ce moment dans ce fauteuil club. On t'a préparé une petite pastille là, Alex. C'était pas trop bien. Rien de méchant, mais on t'a demandé effectivement de venir avec un objet perso qui est symbolique ou qui te touche de près. Donc, c'est compliqué votre truc, parce que j'ai essayé de réfléchir à un petit objet, c'est compliqué. Okay. Alors j'ai pensé, tu peux ramener un masque, ouais c'est super la blague, c'est pas drôle. Alors, vous en avez parlé après, et une autre chose, c'était ma cape de ma sélection, oui, elle est belle, on l'a évoqué, j'ai voulu partir sur un autre truc qui est un peu... Un truc un peu plus décalé. Ben c'est par rapport au vélo, notamment. Ok, donc on avait tapé juste. J'allais pas vous faire rentrer le vélo dans le studio, je vous ai ramené le compteur. Pourquoi? Je vais vous expliquer. C'est un vélo électrique que j'ai. C'est pour le défi, ça, c'est sûr. Pour le défi, ça va le rejoindre. J'ai ramené le compteur électrique, c'est pour pourquoi? Pour parler de ma passion, du vélo, qui est quand même, j'aime beaucoup ça. Deuxième chose, j'ai un vélo électrique que je trouve c'est une invention géniale. Ça a révolutionné pas mal de choses et ça peut révolutionner le transport aussi et tout. Cet aspect écologique, on pourra en parler, mais que je pense que notre génération doit prendre à bras le corps. C'était pour ça. Et en plus, à Montpellier, on est tout passé en une voie. Maintenant, il faut les utiliser. Alors, c'est difficile, mais il y a plein d'aides pour les vélos électriques. Enfin, je trouve que c'est vraiment une invention géniale. Et le dernier point, c'était que ça calcule la vitesse. Et pourquoi la vitesse? J'aime beaucoup, je sais pas bien, mais j'aime bien cette adrénaline, la vitesse. J'aime beaucoup la recherche de vitesse. Et même dans mon jeu, quand j'étais jeune, j'étais pas un joueur rapide entre guillemets. Je sortais pas forcément du lot. Et j'ai un ami de ma mère notamment, qui est Michel Pradet, qui est un pont de la préparation physique. Il m'a dit à 15-16 ans, mais quelle est ta qualité de vitesse? Il faut les travailler. Et rien que ça déjà, ça a changé ma conception des choses. Et depuis tous les mercredis, enfin tous les jours off, je m'entraîne avec lui. C'est devenu un vrai ami, c'est un confident même. Ça fait 15 ans maintenant que ça dure, bientôt. Et grâce à lui notamment, grâce à mes parents, mais à lui aussi, je suis devenu professionnel, je lui dois beaucoup. Et grâce à ça, la vitesse est devenue une des forces de mon jeu, notamment devant. Et c'est ça aussi qui m'a permis d'être international, d'avoir ma carrière pro. Donc voilà. C'est pour ça que je vais ramener le compteur, ça a traversé plein de choses. En soi, l'objet, il ne veut rien dire, mais c'était l'aspect... C'est intéressant, mais surtout sur les vélos électriques. Hein, toi aussi, tu es amateur de vélos électriques sur ces choses-là. Je trouve que c'est super. Peut-être que tu pourras faire les 30 km avec Kélian. Mais avec plaisir, c'est totalement... Je vais faire ça en électrique, je le dis quand même. Eh bien écoute, moi par rapport à ça, je voulais rebondir et je voulais te proposer, comme tu l'as vu, on est dans un décor plutôt très agréable. On t'a pas fait visiter, mais tu vas justement pouvoir le visiter parce qu'on va te donner quelques instants pour que tu puisses, soit dans la bibliothèque derrière moi, soit un peu partout sur le décor, choisir un objet qui te plaît, qui te parle, qui te rappelle quelque chose, et tu vas nous raconter en fait cette histoire, pourquoi tu l'as choisi. D'accord, mais il peut y en avoir plusieurs. Si tu veux en choisir plusieurs, tu peux. C'est à toi de voir. Quel objet Star Wars, j'aime bien Star Wars, après j'ai pas plus d'histoire que ça. La carte des vins. Oui, mais faut pas le dire. C'est à toi de voir. Rugby, je regarde tout. Tu peux fouiner, tu peux regarder, il y a des choses cachées. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bouteilles d'alcool. Il y en a peut-être deux. On en profite pour dire que ce décor, il a été conçu et designé par Mona Market. C'est une très belle boutique de Montpellier et à Paris qui nous a conçu tout ça, et on est ravis de te le présenter. Mais on a mis aussi des petits objets perso, il y a de la pop culture. Bon allez, maintenant il faut que tu te décides. J'en ai trois, vas-y, récupère-les, je vais prendre ça.
Et celle-là, elle est belle, mais je vais la chercher. Ça. Et bon, ça, mais alors ça, ça je vous annonce, j'en ferai pas. Ok. Voilà, je vais vous prendre ces trois-là. Allez, vas-y, bah, explique-nous alors. Pourquoi la guitare, je me suis mis. Une bonne année, mais c'est pas terrible encore. Mais en tout cas, je progresse. Donc ça, mais c'est la musique. J'aime beaucoup la guitare, la musique en général. Donc voilà, à l'occasion, j'espère, si un jour je reviendrai, je vous verrai. Mais on va t'inviter. Je vais pas, non. Le boulard, pourquoi ? Parce que ça, c'était moi quand j'étais jeune. Gamin. C'est vrai que je peux commencer à le dire maintenant. Ben oui. C'était la grande mode, les billes. Moi, je jouais tout le temps aux billes à la récré. Et c'était, alors je me rappelle, c'était les araignées, on appelait ça. Il y avait, il y avait des trucs à l'intérieur, il y avait des filaments à l'intérieur. C'était les plus chers. C'est une agate. Ouais. Alors je me rappelle plus. Non. Mais voilà, c'était le jeu, la truc. Et la balle de golf, parce que je suis un bon amateur de golf. J'aime bien jouer au golf. Surtout en ce moment que je suis blessé. Je pouvais pas faire grand chose, mais j'ai fait pas mal de golf. Donc voilà, je retiens ces trois-là. Ok, bon bah super. Merci, merci de ces confidences là. Donc la guitare, on est sûr que non. Non, sûr que non. 1, 2, 3 accords. Franchement, si un jour je reviens, le rendez-vous est pris. Ouais. Je sens qu'il va y avoir un truc sur les réseaux. Il va nous faire quelque chose. On a pu parler de différents projets donc que tu avais déjà. Oui. Et avant de nous quitter, avant de nous dire au revoir et à bientôt, parce qu'on s'est déjà donné rendez-vous pour le jour de guitare. Déjà, j'ai le défi, le relevé. Hein, exactement. Exactement. Je voulais te poser cette question. Tout à l'heure, tu as parlé de reconversion. Oui. Que c'est quelque chose qui, à bientôt 29 ans, commence à résonner et on se pose de telles questions. C'est quoi aujourd'hui ta vision? Est-ce que tu as des projets? Est-ce qu'il y a des trucs que tu as envie de faire? C'est dur. Franchement, c'est dur. Parce que, je pense à des choses. C'est pas encore bien clair. Mais là, par exemple, tu disais dans ces trois mois-là, tu vois, j'étais contacté, je fais des cours de gestion de carrière à l'école ISEFAC à Montpellier. Ok. Et puis j'ai été sollicité peut-être aussi par MBS pour faire. Donc ça, voilà, cet aspect-là. Je suis dans un groupe d'investisseurs aussi, Méliès, où j'investis sur les startups. Mais à titre personnel, oui, je suis pas encore fixé. J'explore plein d'horizons. T'as envie de faire plein de choses. Être un entrepreneur, réussir soit reprendre une boîte, soit en monter une dans un secteur. Peut-être de l'événementiel aussi. On a parlé du Tour de France. Mais ok. Je sais que voilà, je suis invité de temps en temps par ASO. Voilà, ça peut donner des idées. C'est pas clair. Je sais qu'il faudra que je me forme. Ça c'est une évidence. J'ai mon master, mais. Mais voilà, j'ai des perspectives, j'ai réfléchi. Ok, d'accord. Bon, ouais. Ce qui est certain, c'est que tu vas jamais quitter Montpellier, enfin, même si tu es capable de déménager et de revenir, mais je veux dire, tu seras toujours attaché et ancré dans ce territoire, dans cette terre. Oui, bien sûr, évidemment que ça reste ma ville natale et j'ai vécu beaucoup de choses maintenant dedans. Après, je suis attaché à rien, entre guillemets. Je crois que ce qui compte aussi, c'est les projets, et puis ça peut être n'importe où. Bien sûr. Mais évidemment, je serai toujours attaché à Montpellier, ça c'est clair. Alors ça tombe bien, parce qu'on t'a réservé une petite surprise finale pour cette émission. Alors c'est une surprise positive. En fait, on accueille avec nous, si vous voulez venir près de nous, Olivier et Sylvain, qui êtes les porteurs de cette belle entreprise qui s'appelle République Off. Bienvenue Sylvain, bienvenue Olivier. Racontez-nous un peu votre histoire qui est basée justement sur le côté territorial que vous avez envie de mettre en valeur à travers votre entreprise et votre projet. C'est ça, tout à fait. Ouais. Donc j'entendais tout à l'heure Kylian parler de projet. Nous, c'est notre projet. On est amis d'enfance, on se connaît depuis toujours. Et on est dans un talk show positif. Nous aussi, on a voulu mettre en avant quelque chose de positif. Bon, il faut savoir qu'on a une activité professionnelle en parallèle par ailleurs. C'est du vrai projet, c'est du vrai bonus pour nous. Et donc, on a monté cette société qui s'appelle République of Montpellier, qui est destinée à mettre en valeur le territoire, la région. D'accord. Donc, ça consiste en quoi? En gros, c'est basé sur l'industrie du textile. On est d'accord, hein? Ouais, c'est basé sur l'industrie du textile, mais la philosophie est un peu ailleurs. En fait, on s'est inspiré d'un voyage qu'on a fait il y a quelques années en Irlande, où on s'est rendu compte que l'Irlande, c'était une terre de passion, une terre où les gens sont fiers de leur pays, de leur territoire.
Et il est vrai qu'on se rend compte qu'ils ont beaucoup de vêtements, de textiles qui mettent en valeur tout ça, quoi. Et donc en revenant à Montpellier, on s'est dit que ce serait peut-être une bonne idée de nous aussi essayer de faire quelque chose qui permette d'unir le peuple montpelliérain. Les Montpelliérains, ils viennent d'un peu partout. Ils viennent du nord de France, du sud, de l'est, de l'ouest. Et il n'y a vraiment pas grand-chose qui nous lie. Et il manque un peu cette fierté montpelliéraine qu'on retrouve des fois à Nîmes ou à Marseille, et qui n'est pas véritablement prépondérante ici. On s'est dit que peut-être, en essayant de faire des vêtements, des visuels qui représentent notre ville, on arriverait à faire une communauté de personnes qui développe cette fierté et le plaisir d'être à Montpellier. Alors les symboliques, on imagine, on le voit sur ton t-shirt, Sylvain, il y a le soleil, il y a la mer, j'imagine, il y a le bien-vivre aussi, quoi. Ce qui est positif aussi, c'est que vous lancez votre deuxième collection, là, ces jours-ci, donc c'est printemps 2021, quoi. Ben, on a choisi la date du printemps, donc le 21 mars. D'accord. Où on va décliner donc, une nouvelle collection avec une ligne graphique et une ligne iconique. D'accord. Donc... on vous laisse un petit peu à la surprise, on va découvrir sur les réseaux sociaux. C'est un teasing. Ok. Ah, vous nous avez fait un petit teasing aussi en nous disant on aura une petite surprise pour Kélian. Donc j'imagine que c'est ce qu'il y a sur la table. Ok, bah, on vous laisse faire. Allez-y, c'est le moment. Voilà, donc on a choisi le modèle consonante. Donc c'est le Montpellier en gardant que les consonnes. Donc on est ravis de vous merci faire. Beaucoup. Merci les gars. Ça me fait plaisir. Voilà, il y a un bel ambassadeur, je pense, qui va pouvoir le porter avec lui. J'y pense, je vais le garder dans le coin de la tête. On a chez Bébel. Très bien. On se verra. Nous, marchés. Ouais. Alors, il faut aussi mettre en valeur le textile, puisqu'on a fait le choix d'avoir des textiles 100% bio, avec le label GOTS, qui est le label prépondérant et principal de vestimentaire, qui fait attention à la fois à la qualité du produit et à la qualité du travail des personnes qui font les t-shirts. Il faut penser qu'un kilo de coton, c'est 11 000 litres d'eau utilisée pour le traiter. Un kilo de coton bio, d'accord, ce n'est que 1 000 litres. Alors, c'est déjà beaucoup, mais c'est déjà 11 fois moins. Donc, même si la qualité du sweat est agréable, derrière, il y a quand même aussi une vraie vision écologique et éco-responsable sur nos produits. Ça, c'est super positif. C'est vrai qu'on est tous attentifs, tu le disais, c'est générationnel. Et c'est l'enjeu de demain, vraiment, au développement durable. Donc, c'est une marque que vous allez inscrire dans le Made in France et dans le développement durable. Bravo pour ce beau projet. Merci à vous. Kélian, c'est le dernier moment de cette émission. En fait, c'est avant tout un remerciement. Tu vois, on a été gentil avec toi. Franchement. On t'a fait des surprises très positives et très gentilles. Merci d'avoir participé. Merci pour ta bonne humeur. Je souhaite le meilleur à l'émission. Merci. Longue vie. Hein, et ça, c'est vraiment sympa. Merci de m'avoir accueilli, les gars. C'est un agréable moment. Super. Parfait. Nous, on se tourne vers vous. On vous invite à suivre notre chaîne Le Club sur les réseaux sociaux. C'est sur YouTube notamment. On est sur Instagram. On vous remercie. On vous prépare de nouvelles émissions avec plein d'invités qui seront, comme Kélian aujourd'hui, positifs. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Merci et au revoir. Merci Alex. Merci Jeff. À très bientôt. Bye bye. Salut.